Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci pour tous vos signes d'amitié, vos messages, vos appels. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons partir faire un petit voyage en Irlande. On va vous apprendre une danse irlandaise. Je vais arrêter de bafouiller. Elle s'appelle The Boat of Liverpool. C'est une danse à 32 comptes, 4 murs. Elle est très jolie. Il y a Richard que je vous explique un petit peu plus loin. Voilà, j'espère que nous allons passer un bon moment de nouveau. Merci beaucoup, à tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait un deal avec Jean-Claude, comme la danse n'est pas compliquée, c'est lui qui vous l'explique. Voilà, je lui laisse la place. C'est parti, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et on commence, et 1... Je ne suis pas très sûre que vous ayez tout compris, même si ce n'est pas compliqué. Non, je crois que je vais vous le décomposer un petit peu plus. Voilà, je me retourne vers le mur de 12 heures pour démarrer. Pour cette danse en ligne, The Boat of Liverpool, c'est une musique donc irlandaise, c'est une danse à 32 temps, 4 murs. Il y aura un restart que je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Je démarre la danse. Non, c'est pas ça. Mais je vous en prie, faites. Bon, voilà, j'ai l'autorisation de Jean-Claude. Donc je démarre la danse, je démarre sur le mur de 12 heures, comme à notre habitude. Voilà. Donc on est en appui sur le pied gauche. La première section, on va commencer par un heel strut. Un heel strut, c'est on pose le talon, on pose la pointe avec le pied droit. Un heel strut gauche, talon, pointe. Maintenant, je suis en appui sur mon pied gauche et je vais faire ce qu'on appelle un rocking chair avec le pied droit. Un rocking chair, c'est composé de un rock avant droit, je vais sur droit, je reviens sur gauche, et un rock arrière droit, et je reviens sur gauche. Je vais refaire ça. 7, 8. Tout heel strut, rock avant, rock arrière. Je suis de nouveau sur mon pied gauche. Je continue pour finir ma section avec la même chose. Il, rock avant droit, rock arrière droit. Voilà, je vais vous la faire avec les comptes. Alors celle-ci avec les comptes, ce sont que des passes syncopées pour cette première section. C'est-à-dire qu'on va compter 1 et 2 et 3 et 4. Le et est très important, c'est un pas. Je vais vous le faire avec les comptes. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et. Je le fais de profil pour que vous voyez bien les heel strut. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et. Voilà, ça c'est pour la première section. On est donc arrivé en appui sur le pied gauche. On redémarre du pied droit en faisant un stomp. Stomp. On pointe le pied derrière. Je reviens sur mon pied gauche et je fais un hic. Un hic, c'est un jeté de pied en l'air et je le fais en diagonale. Je recommence ce mouvement. Stomp. Je pointe. Je pose. Un kick, pardon. N'importe quoi. Et Jean-Claude ne reprend pas. 7, je dors. 8, je pose, je pointe, je pose, je kick. Maintenant, je vais faire un step lock step en arrière, c'est-à-dire que je pose droit. Je ramène mon pied gauche dessus et je pose droit à nouveau. Je suis à la moitié de la deuxième section. Je refais ça. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4. Vous avez vu que là aussi, les « et » sont importants. Je refais ça depuis le début. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Je suis en appui sur mon pied droit. Le pied gauche, c'est celui qui va redémarrer la moitié de la section. Le 5, je recule mon pied en arrière. Je fais un hook. Un hook, c'est le genou croisé devant le tibia. Je fais un hook, je repose mon pied droit devant et je fais un stuff. Je tape le talon et je fais un step turn demi-tour. Step, turn, et je reviens sur le pied gauche. Je refais ça. 7, 8.
Je suis en appui sur mon pied droit. Je finis ma section, je me pose, je fais un hook, je pose mon pied droit, je scuff et je fais un step de demi-tour pour revenir sur le pied gauche. Je le refais avec les comptes. La deuxième section, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. J'enchaîne les deux. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Maintenant, je suis en appui sur mon pied gauche, je vais redémarrer la troisième section. Alors, on est en appui sur le pied gauche, on va faire un talon hook, talon. Hook, je croise mon pied devant le tibia. Talon, flic. Flic, c'est un plié à l'extérieur. Et je fais un broche, un hitch et un stop. C'est-à-dire, quand je recommence, 7, 8. Talon, hook, talon, flic, broche, hitch. Hitch, c'est un petit saut où c'est monter le genou et on repose en faisant un stop. On est vraiment dans le sol, un stop down. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4. Je prends bien appui sur mon pied 3 quand je reviens sur le 4 parce que ça c'est important parce que nous allons faire la même chose avec le pied gauche. Talon, hook, talon, flick, scuff, broche, pardon, broche, hitch, stop. Je refais avec le pied gauche. 7, 8, talon, hook, talon, flic, broche, hitch, stop. Je vais le refaire un petit peu plus loin parce que je vois Jean-Claude qui me dit que je vais trop près du bord et vous n'allez pas voir mes pieds. Je refais cette section-là. On est arrivé en appui sur le pied gauche avec les comptes. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Maintenant, on va faire, je vais le refaire depuis le début, toute la danse. Ça va vous aider. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. On est arrivé, on est en appui sur le pied gauche. On va faire maintenant deux rumba box. Une rumba box, c'est un carré. Elle commence en principe sur la droite. Ça peut changer, c'est jamais la même chose. Mais le principe reste le même en sachant qu'on pose le pied droit. On assemble avec le pied gauche. C'est le pied droit qui se lève. Je recule mon pied droit. Pour certaines rumba box, ça peut avancer. Là, en l'occurrence, on recule. Et là, je vais faire glisser mon pied sur la gauche. Ça s'appelle un follow through. Je fais glisser mon pied, j'assemble, c'est donc mon pied gauche qui va repartir en avant. Je le remonte, 7, 8, je pose, j'assemble, je recule, je fais glisser, je pose, j'assemble, j'avance. Avec les comptes, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4. Je vais reculer un petit peu parce que je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Je refais ça et j'enchaîne avec une autre rumba box qui aura fait un quart de tour sur la gauche. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, quart de tour, 5 et 6, 7 et 8. Et là, je peux recommencer ma danse. La chorégraphie est terminée. Je le refais tout depuis le début. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 1 et 2 et 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 1 et 2 3 et 4 5 et 6 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8.
1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. C'est bon? Voilà. T'expliques le restart maintenant. Alors, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, on a dit qu'il y avait un restart. Un restart. Il y a deux choses. Vous voyez souvent dans les fiches de danse que l'on vous envoie, enfin dans les mails, on vous met nos tags, nos restarts. Un tag, c'est le rajout de quelques pas de danse, 4 comptes, 8 comptes, ça dépend des musiques, pour retomber à chaque fois sur la musique. Le restart, c'est redémarrer la danse en milieu ou en trois quarts de chorégraphie, après une, deux ou trois, quatre sections de la danse selon le nombre de sections, et c'est toujours dans le but de retomber sur la musique. Alors, pour vous l'expliquer, c'est-à-dire que là, le restart, il est sur trois murs, il est au troisième mur. C'est-à-dire qu'on va retomber sur le mur de 12 heures, mais en fait, notre troisième mur, puisque c'est une danse à 4, ça devrait être 6 heures. Sauf que nous allons démarrer la danse sur 6 heures, mais au moment de faire un demi-tour pour la deuxième section, on va redémarrer la danse au lieu de la continuer. Ce qui va donner ça. Vous allez faire sur ce mur-là 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Restart. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Voilà, c'est ça. Le restart, c'est ça. Et vous allez voir, quand on va mettre la musique, que vous allez l'entendre parce qu'il n'y aura pas de parole. Quand on va démarrer le restart, ça sera uniquement de la musique. C'est très logique, très joli. Ne vous laissez pas emporter par la musique, pensez au pied. De toute façon, moi, je vous ferai signe, je lève toujours la main. Alors, je vais la faire en musique jusqu'à ce que le restart arrive et vous allez comprendre. Et je lèverai la main, ce qui fait que vous pourrez faire la même chose quand vous la danserez. Je me mets sur le mur de 12 heures pour démarrer ma danse. On entend, alors plusieurs fois dans la musique, on a l'impression qu'elle va ralentir. Le final, ce sera sûr, on aura repris la danse pour 8 ans seulement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur notre mur de 9 heures et on va redémarrer la danse comme ceci en faisant 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. Ça sera, vous allez l'entendre, la musique ralentit vraiment beaucoup. Mais méfiez-vous parce qu'elle ralentit à deux reprises. Voilà. Et je vais la danser, on va la danser avec vous, avec Jean-Claude. Voilà. À tout à l'heure. J'arrive. Le tout, c'est de trouver où on met la musique. Je parle pas,
Je sais, ça fait rien. Non. Voilà, j'espère que cette danse vous a plu. Ça sera notre dernier cours, enfin notre dernière séance, c'est le déconfinement maintenant. Je pense que vous allez tous avoir la chance de pouvoir ressortir, la joie de pouvoir peut-être rencontrer de nouveau vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, votre famille. Enfin, je souhaite beaucoup de bonnes choses à tout le monde. Enfin, nous souhaitons beaucoup de bonnes choses à tout le monde. Nous espérons que vous avez passé en notre compagnie de jolis moments. Pour nous, ça a été le cas. On vous remercie tous énormément. Voilà, du fond du cœur. On vous embrasse tous. Merci beaucoup.